Salut tout le monde, bienvenue sur Burger Mobile TV. On se retrouve aujourd'hui pour un petit sweet test. On est chez KFC pour tester la Cream Ball. Alors la Cream Ball, c'est quelque chose qui est à la carte depuis très très longtemps maintenant chez Quick. Je pense que c'est ma glace préférée de fast food. Je trouve que ça a une bonne taille, c'est plutôt cool. Il y a des petits ajouts assez sympas. Et donc là, on teste la Cream Ball Twix. Donc c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors donc on a une crème glacée vanille avec un coulis de caramel, et dessous on a des petits biscuits qui rappellent ce qu'il y a dans le Twix, hein. Vous savez, il y a toujours un petit biscuit dans le Twix en plus du caramel et du chocolat, et des petits morceaux de chocolat. Je sais pas si vous les apercevez. On va essayer de déguster ça proprement, parce qu'il faut que j'atteigne le fond pour vous dire à quoi ça ressemble. En tout cas, cette glace KFC et son petit coulis de caramel, c'est toujours efficace. Moi, j'ai jamais à m'en plaindre, je le prends pas très très souvent non plus, mais c'est toujours un petit plaisir plutôt sympa. J'essaye d'atteindre la partie croustillante pour vous dire à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous entendez croustiller. Ouais, on a les petits biscuits, c'est toujours. C'est ce qu'on aime, hein, dans une glace, c'est avoir un petit peu des petites parties croustillantes. Pour que ça aille bien avec le fondant de la glace. On a des morceaux qui rappellent un petit peu des tout petits morceaux de Twix, en fait. C'est du caramel entouré de chocolat. Et donc en plus avec des petits morceaux de biscuits. Donc c'est plutôt sympa. Pour l'instant, je me régale. Je vais terminer ça tranquillement. Et on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion et pour vous annoncer le prix. Allez, à tout de suite! Alors les amis, qu'est-ce qu'on a pensé de cette Cream Ball Twix? Bah, c'est plutôt sympa. Moi, le Twix, c'est ma barre chocolatée préférée. Je sais pas ce que vous en pensez ou quelle est votre barre chocolatée préférée. Je sais qu'il y a des adorateurs du Snickers par exemple, mais moi c'est le Twix. Il y en a qui détestent le petit biscuit à l'intérieur, moi j'aime beaucoup ça. Donc pour en revenir à cette Cream Ball, c'est toujours sympa de retrouver du Twix dans de la glace. Les petits Twix glacés là qu'on vend au supermarché, j'adore ça par exemple, et ça m'a fait penser un petit peu à ça. Alors certes, il y a plus de glace vanille. Je trouve que la glace de chez KFC est un peu plus crémeuse que celle de chez McDo. Je pense que je la préfère. Mais j'aime quand même celle de McDo, hein, je dis pas le contraire. Celle-ci est vraiment sympa. C'est Cream Ball, il y a beaucoup beaucoup de glace. Je pense qu'il y a au moins autant de glace que dans un McFlurry bien rempli. Donc c'est assez gros. C'est plutôt sympa, la présentation est jolie et tout. Pour moi, c'est Cream Ball, c'est une vraie réussite. Ça coûtait 3,10€, c'est un petit peu cher pour un dessert, mais c'est assez conséquent. Et quelle note je vais lui mettre? Je vais lui mettre un petit 14,5 sur 20, allez, entre 14 et 15. Et oui, j'aurais envie d'y regoûter, parce que c'est l'été, il fait hyper chaud, là, il fait 36 degrés dehors, je peux vous dire que je suis en train de cuire dans la voiture. Et voilà. Donc je vous annonce aussi qu'il n'y aura pas de vidéo dimanche, j'ai pas le temps de tourner, impossible de faire quoi que ce soit. Là je suis hyper en retard, je tourne la vidéo, je vais la monter tout de suite, je vous la mets en ligne, on est mercredi, c'est le jour même. Dimanche c'est pas possible, donc prochaine vidéo la semaine prochaine, mercredi prochain sans faute, et puis on se retrouve donc mercredi prochain. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook, c'est en dessous, laissez un petit pouce et à bientôt, allez, à plus.